Je m'appelle Isabelle Breton-Miller, je suis professeure titulaire à HEC Montréal. Je suis en charge de la chaire sur la relève et sur l'entreprise familiale. Les entreprises familiales, jusqu'à présent, ont été assez peu étudiées, alors que c'est la forme dominante d'organisation dans nos économies, autant occidentales, en Asie, que dans les pays émergents. Donc, c'est, j'allais dire, l'épine dorsale de l'économie mondiale. Or, c'est un fait qui est peu connu. Et ces entreprises-là sont des entreprises qui, contrairement à la croyance, sont des entreprises très performantes et qui survivent très longtemps. Donc, c'est pour nous un domaine de recherche en émergence et qui présente plein de secrets. Et c'est là-dessus que j'ai travaillé au cours des 10 dernières années, de découvrir quelles étaient les forces qui se cachent derrière nos entreprises familiales. Étant donné qu'on est un tournant dans l'économie canadienne et dans la démographie canadienne avec les baby boomers qui prennent leur retraite, bien entendu, au cœur des préoccupations et de nos recherches, on s'intéresse à faire un suivi, un accompagnement au niveau de la succession. Quelles sont les meilleures pratiques? Qu'est-ce qu'on peut amener comme outil pour les jeunes, pour prendre la relève, pour développer leur leadership et également, bien entendu, pour s'occuper du renouvellement de nos entreprises pour qu'elles soient toujours aussi entrepreneuriales aujourd'hui que demain.